Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans, niveau, dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu de ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les buts qui te courent à travers ce combat, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme de ta vie plus loin de la terre. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. La Bible nous dit qu'il est bon d'être dans sa présence. Et aujourd'hui, en ce jour de baptême, nous voulons encore célébrer Dieu deux fois plus. Parce que la Bible nous dit que quand des hommes et des femmes se donnent à Dieu, il y a la fête et il y a l'explosion de joie dans le ciel. Amen. 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 Donc nous voulons vraiment dire bonjour à tous ceux que nous n'avons pas pu encore saluer. La paix, la bénédiction soit sur vous. Amen. Amen. Tous ceux qui nous visitent ici au Centre mondial de l'éveil pour la première fois, nous voulons aussi vous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La paix, la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction et la paix de Dieu sur vos vies. Amen. Nous saluons aussi tous les internautes qui sont en direct avec nous. Et nous voulons vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie pour ce temps de rentrée? Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la moitié à peu près de l'année. Amen. Un peu plus de la moitié de l'année. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour que cette année s'achève. Mais j'aimerais te dire que ces temps qui vont te rester vont être plus importants que tous les restes de l'année que tu as vécu, tous les mois de l'année que tu as vécu. Amen. Amen. Les restes de ces mois de l'année, ça va être le temps de ta victoire. Amen. Amen. Le temps de ta victoire. Amen. Le temps de ton explosion. Le temps où les rois qui se sont levés contre toi, le temps où ceux qui se sont levés contre ta vie pour t'arrêter, pour te bloquer, vont tomber. Amen. 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 Tout ce qui empêchait ta vie de pouvoir évoluer, tout ce qui empêchait ta vie de pouvoir entrer dans le plan parfait de Dieu, que Dieu a décrété pour toi dès la fondation du monde, j'aimerais te dire que tu vas avoir la fin avant la fin de cette année. Amen. Là où tu avais bloqué, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans toutes les choses de ta vie, j'aimerais te dire que maintenant c'est le temps de la victoire. C'est le temps où Dieu veut ouvrir quelque chose de grand. Amen. Amen. J'aimerais vous donner un message qui m'a excité autrefois à vous approcher de Dieu avec puissance et autorité. Amen. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu commences à chercher sa présence, si tu commences à te motiver pour lui, la Bible nous dit qu'il va te récompenser. Amen. 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 Quand tu cherches le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, Dieu te récompensera. Amen. Toujours. Amen. 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 Nous n'avons pas un Dieu en vain. Vous savez, on ne dit pas, oh non, on fait simplement nos prières et Dieu, non, il ne va pas regarder ce monde. Non, la Bible nous dit que Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. Amen. 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 Dieu veut te récompenser. Dieu veut te donner tout ce dont ton cœur désire. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Amen. 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 Il ne veut pas te limiter à quelque chose de petit. Il ne veut pas te limiter à quelque chose de tout rikiki. Lui, il veut faire quelque chose, une explosion de gloire dans ta vie. Amen. 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 Si tu comprends ça, tu vas comprendre qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Vous savez, la religiosité nous a mis des limites. La religiosité nous a mis des limites. On avait vu à l'époque que dans les gens qui pratiquaient les religions, ils étaient toujours pauvres, ils étaient toujours enfermés dans les choses, ils n'avaient jamais rien, ils étaient toujours enfermés, repliés de tout le monde. Non, ça c'est la religiosité. Amen. Dieu veut faire sur ta vie une explosion de gloire. Que les païens vont se dire, mais comment cet homme dans lequel il n'avait rien, il est sorti de nulle part, comment se fait-il que Dieu l'a amené à ce niveau? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez être malade. Il y a des gens que la médecine a condamnés. Il y a des gens qui ont été condamnés par la médecine. La médecine m'a dit que tu vas mourir. Mais la parole de Dieu nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, l'ange de l'Éternel va commencer à le défendre et ils vont recevoir leur guérison. Ils vont recevoir
un miracle et le docteur vont être dans l'étonnement et vont dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand Joseph était dans un trou, il était en prison. Il n'avait plus rien. Mais il avait un rêve. Il avait vu un jour un rêve dans lequel les gerbes se prosternaient devant lui. Il avait vu les étoiles, la lune qui se prosternait devant lui. Il se rappelait des promesses que Dieu avait dit à son grand-père, Abraham, à son grand-père, Isaac, à son grand-père, Jacob. Il se rappelait de toutes ces promesses. Elle a dit, le Dieu qui a impacté mes pères, le Dieu qui a impacté mon grand-père, mon arrière-grand-père, va impacter ma vie. Et je sortirai de cette prison. Amen. 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 Et la Bible me dit quelque chose de spécial. Que alors qu'il était dans le trou, alors qu'il était en prison, Dieu a commencé à bouger les choses en faveur de Joseph. Amen. 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 Des fois, quand nous sommes dans le trou du désespoir, dans un trou d'une prison, nous ne savons pas comment nous allons sortir. Mais j'aimerais te dire que des grands vont se trouver dans la même position que toi et Dieu va les utiliser pour pouvoir t'élever. Amen. Amen. Il aimait le panetier, celui qui donnait le pain au pharaon, et il aimait celui qui servait la coupe pour le pharaon. Les deux hommes qui étaient au service du grand de l'époque, qui étaient au service du pharaon même, sont tous les deux tombés dans le même trou que Joseph. Pourquoi? Pour amener Joseph aux délivrations. Et alors là, qu'ils étaient tous les trois dans le trou, Joseph a dit, mais ce sont des grands. Ces mêmes grands sont tombés avec moi. Si maintenant je viens simplement avec une parole de condamnation, ces grands ne me serviront de rien. Mais si ils vont voir la gloire de Dieu à travers moi, demain ces grands me serviront. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que les deux grands ont fait un grand, ils ont fait tous les deux un rêve. Et voici que Joseph a dit, voici le temps de mon élévation. J'ai compris que maintenant ils ont fait un rêve pour qu'ils puissent connaître le Dieu puissant que je sers. Et la Bible dit que voici qu'il leur a expliqué le rêve. Les deux personnes, les deux rêves se sont accomplis. Et quand celui qui a été remis à côté du pharaon allait partir à la prison, qu'est-ce que Joseph lui a dit? Il lui a dit, écoute, souviens-toi de moi quand tu vas retourner devant le pharaon. Et la Bible nous dit que le temps a passé, mais cet homme a oublié Joseph. Et Dieu qui a vu cela, il a dit peut-être que lui a oublié, mais moi je ne l'ai pas oublié. La même chose qui s'est passée dans le trou, voici que le pharaon va lui arriver la même chose. Le pharaon a commencé à faire des rêves, a commencé à être épouvanté. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a appelé tous les magiciens, il a appelé tous les astrologues, il a appelé tous les sages qui étaient à côté de lui. Personne ne pouvait lui expliquer son rêve. Et tout d'un coup, l'homme qui était à côté de lui, qui s'est retrouvé, qui était dans le trou, le Saint-Esprit a dit, maintenant, ils vont parler. Oui. Il y a dit un jour, j'étais dans le même état que toi. Mais il y avait un homme dans une prison, qui a un Dieu plus puissant que les rêves, qui a un Dieu plus puissant que tout. Et il m'a tout dit, appelle-le, et tu verras ce qui va se passer. Est-ce que vous saisissez? Oui. Et la Bible nous dit que le temps de l'élévation de Joseph était arrivé. Amen. Amen. Le temps de l'élévation de Joseph est arrivé. Tu étais peut-être dans une prison. Tu étais peut-être dans un désespoir. Peut-être dans ce temps où tu t'es retrouvé seul. Tu as rencontré des personnes qui étaient avec toi, qui sont tombées dans un même trou. Et toi, tu leur as annoncé le message de l'évangile. Toi, tu as dit quelque chose. J'aimerais t'annoncer une parole du ciel. Ces mêmes gens vont demain t'être favorables. Amen. 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 Ce besoin de méprise pour celui qui est à côté de toi. Souviens-toi toujours qu'une personne ne sera toujours un genou utile. Amen. Toute personne que tu rencontres, ce n'est pas pour rien, c'est qu'un jour elle te sera utile. Amen. Amen. Même les gens que tu crois inutiles, un jour te seront utiles. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu dispose même le cœur de nos ennemis en notre faveur. Amen. Amen. Mais toi, il faut que tu restes dans la foi. Et c'est pour cela que j'aimerais exciter ma foi ce matin pour que tu puisses t'approcher de Dieu encore plus. Amen. Des fois, vous savez, on est limité et quand on nous dit de nous approcher de Dieu, on dit « Ah, mais j'ai des problèmes, ah, j'ai des soucis, ah, j'ai des difficultés, ah, c'est tellement dur, ah, les gens se moquent de moi, les gens... » J'aimerais te dire « Enlève ça !» Parce que seulement, cela est seulement là pour te former pour l'élévation de demain. Amen. Amen. Ce que tu penses aujourd'hui est simplement un temps de formation pour l'élévation de demain. Oui. Amen. 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 Toute histoire dans laquelle nous vivons par des moments difficiles,
va nous amener la gloire, va faire resplendir la gloire de Dieu sur nos vies. Amen. Amen. Ne te laisse pas abattre, ni par les paroles des docteurs, ni par tes résultats scolaires, ni peut-être par tes finances, ni peut-être par le style de ta vie que tu as aujourd'hui. Parce que j'aimerais t'annoncer quelque chose. Si tu cherches la présence de Dieu, demain ta vie sera différente. Amen. 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 Demain ta vie sera différente. Parce que Dieu va marquer un saut. Et Dieu va faire la différence. Amen. Amen. Dieu va faire la différence. Mais c'est à toi de dire, Seigneur, je continue à te chercher. Amen. Parce que c'est excitant la vie que je vais vivre demain. Amen. Amen. La vie que demain Dieu aura pour toi sera une vie pleine de projets. La Bible ne dit pas que Dieu a un projet de malheur pour ta vie. Mais la Bible nous dit, non, je n'ai pas un projet de malheur pour ta vie. Mais j'ai un projet, plein de projets de paix, plein de projets de bénédiction, plein de projets d'élévation. Je vais faire des choses extraordinaires que l'oreille n'a point entendue, que l'œil n'a point vu, qu'il n'a pas été déclaré sur la terre, je fais quelque chose de nouveau. Amen. 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 Commence à dire dans la prière des fois, Seigneur, ce que tu as dit sur moi, ce que tu as déclaré, dis-le-moi, Seigneur, commence à dire cela. Vous savez, souvent, nous essayons de dire, oh, Seigneur, bénis-moi un peu. Non, ce que tu as dit de moi, je veux l'entendre. Amen. 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 Ce que tu as décrété sur moi, ce que tu as déclaré sur moi, dis-le-moi, Seigneur. Amen. Si vous entendez ce que Dieu déclare sur vous, tu ne seras pas malheureux. Tu ne seras pas désespéré. Parce que tu ne regarderas pas ce que tu as aujourd'hui, mais tu regarderas ce que tu as demain. Amen. 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 Ça, c'est le secret de la prière. Si tu comprends ça, tu as compris les choses. Amen. Amen. Et vous qui allez vous faire baptiser, j'aimerais vraiment vous encourager dans cette dimension. De ne pas baser votre foi simplement sur ce que vous pouvez voir dans votre vie, simplement sur les situations d'aujourd'hui que vous voyez. Pourquoi baser votre foi directement sur ce que Dieu déclare de vous? Aujourd'hui, en plus, par les autres baptêmes, Dieu va déclarer des paroles sur vous. Dieu va déclarer des choses sur vous. Alors prenez ces paroles et dites, Seigneur, ce que tu as dit, c'est ce que je verrai. Ce que tu déclares, c'est ce que je contemplerai. Parce que ta parole ne revient jamais à toi avant d'avoir accompli et avant d'avoir exécuté tous ces desseins. Attends le Seigneur. Amen. Satan commence à bouleverser ta vie. Satan commence à secouer ta vie. Parce que tu dois comprendre que le Dieu que nous servons est le Dieu qui a créé l'univers. Tout lui appartient à ce monde. Amen. Amen. Et il a dit, si tout lui appartient, tout nous appartient. Amen. Amen. Nous pouvons être là. Nous ne disons pas, nous n'avons rien. Nous avons tout en Dieu. Amen. Amen. Et en lui, nous disons, Amen. 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 Ta foi doit monter de niveau. Ta foi doit exploser. Amen. Amen. Quand tu sors de ce lieu, ta foi doit être comme dopée à la protéine et tu vas ressortir comme ça. Déjà, mon frère, tu vois qu'est-ce qui se passe. Tu dis, j'ai été dopé. Amen. 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 Ta foi a pris un souffle et tu as fait de la gonflette. Et c'est ça que les bodybuilding font. Ils vont là-bas dans la salle de sport, tu les vois en train de souffrir. Si tu vois les voir en train de souffrir, tu dis, mais ils sont malades. Mais ensuite, quand tu les vois sortir de cette salle, les voici, ils mangent comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, tu étais en train de crier, ah, c'est dur, ah, ils portent sur la terre, ils portent. Mais quand tu le vois sortir, il marche, il est comme ça. Amen. Il a été dopé, il a été gonflé. Amen. Pour nous, c'est pareil. Nous venons des fois et nous trouvons des fois le diable qui dit, ah non, la prière, c'est dur, et tu soulèves tes poids. Je dis, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Mais j'entre dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, tu as déclaré des choses. Je ne les vois pas tout de suite. Mais tout d'un coup, quand tu sors, tout d'un coup, tu marches comme ça. Quelque chose de nouveau a changé dans ta vie. Les gens disent, ah, oh, tu as pris du poids, c'est bien, qu'est-ce que tu as fait? Amen. Les gens doivent voir ça dans votre foi. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta foi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta foi? Ouais, j'aimerais être comme toi, j'aimerais avoir les mêmes biceps que toi. J'aimerais avoir la même foi que toi. Qu'est-ce que tu as fait? Viens avec moi, je vais t'expliquer. Amen. 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 Donc vraiment, j'aimerais vous encourager, vous aussi, vous convertir, rentrez directement dans cette émotion. Ne vous laissez pas voler. Ne vous laissez pas voler par une ancienne mentalité qui a détruit les générations passées. Amen. Les générations passées avant nous, certains ont été détruits par l'incrédulité, par le doute, par les peurs. Comme les enfants qui étaient dans le désert, qui sont sortis avec Moïse.
La Bible nous dit qu'ils sont passés à travers la mer Rouge. C'était le symbole du baptême. Ils sont arrivés dans le désert. Ils étaient avec Moïse. Ils ont vu tous les signes. Ils ont vu tous les prodiges. Et pourtant, dans le désert, ils étaient incrédules. Et ils sont morts dans ce désert. Pourquoi? Parce qu'ils gémissaient. Ils étaient désespérés. Ils ne pensaient pas à ce que toutes les choses que Dieu avait promis. Mais ils se basaient seulement sur ce qu'ils voyaient. Amen. Dieu veut lever une nouvelle génération. Une génération de Josué. Une génération d'hommes et de femmes qui croient et qui voient ce que Dieu va faire demain. Amen. Je veux t'annoncer que ce pays n'est pas mort. Mais cette nation de France est une terre de réveil. Amen. La nation de France est une terre de réveil. Amen. Je veux prophétiser sur cette nation. Je veux prophétiser sur cette terre. Et je veux déclarer que cette terre n'est pas une terre morte. Cette terre n'est pas une terre datée. Cette terre n'est pas une terre qui va mourir. Mais cette terre est une terre de réveil. Est une terre où la gloire de Dieu va commencer à resplendir pour la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Et quelque chose que nous devons saisir. Venez, venez, il y a encore la place devant. Sois béni, mon ami. Amen. Le pasteur Pierre Spartaro avec son épouse. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Dieu veut pousser votre voix. Amen. Que vous sortez de ce lieu complètement gonflé. Amen. Que vous sortez de ce lieu avec des biceps, avec des gros biceps, parce que vous avez été dopé à cause de l'onction. Amen. Amen. Dieu a une grâce spéciale, Dieu a une grâce particulière à chacun d'entre vous. Et j'aimerais ce matin encore vous encourager. Votre temps où vous étiez en prison est bientôt fini. Regarde ton frère, regarde ta soeur à côté de toi. Dis-lui, mon temps où j'étais dans la prison est bientôt fini. Regarde-le. Amen. Le temps de ta prison est bientôt fini. Ceux qui se sont ligués contre toi ne pourront plus rien faire contre toi. Parce que la gloire de Dieu va commencer à resplendir. Et le Dieu de gloire, le Dieu de victoire, va commencer à descendre. Et la puissance et l'autorité du Saint-Esprit va resplendir sur toi. Amen. 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 Est-ce que vous êtes bien? Et ça commence à nous chauffer. Amen. La puissance de la parole est en train de déguiser notre esprit pour que nous puissions commencer à resplendir et voir la gloire de Dieu resplendir sur nos vies. Amen. Il a dit, je jette une parole sur la terre. Il l'envoya sa parole et il est guéri. Amen. Peut-être que tu es venu de ce lieu malade. Alors j'aimerais te dire, tu es dans un stade de basket. Et là, quelqu'un m'a envoyé une parole. Je suis ton coéquipier. J'ai la balle qui est là avec moi. Et quand je prends cette balle, je l'envoie vers toi. Et toi, tu as juste à faire quoi? À lever tes mains et à l'attraper. Attrape-la en vol. Attrape la parole de Dieu en vol. Et alors tu verras que ta guérison va germer promptement du Dieu éternel. Amen. Et maintenant, mon temps de guérison est là. Le Dieu de victoire, le Dieu de délivrance, le Dieu de puissance a toute capacité. Tu es peut-être venu dans ce lieu où tu n'avais plus un centime en poche. Et tu te dis, mais comment je vais faire pour demain? Reçois la parole de Dieu. La Bible nous dit que Christ est venu sur la terre. Il est devenu pauvre, de riche qu'il était, pour t'enrichir, pour te donner quelque chose que tu n'avais pas jamais. Amen. 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 Le Dieu de gloire a la capacité de tout changer. Amen. 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 Est-ce que tu crois au changement? Oui. Amen. Les présidents nous ont promis le changement, on n'a pas vu le changement. Les hommes nous ont promis le changement. La rencontre peut-être un jour ton fiancé, ta fiancée. Dire avec moi, il y aura le changement dans ta vie. Et malheureusement, quand tu t'es marié, tu te dis, il est drôle le changement. Mais j'aimerais te dire que si Dieu te parle du changement, et la Bible ne dit pas qu'il prend ton vieille chose et le recrée un petit peu. La Bible nous dit toutes choses anciennes sont passées. Maintenant,
toutes choses deviennent nouvelles. Il crée totalement quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne connaissais pas, quelque chose qui n'existait pas à l'intérieur de toi. Il y avait des fois les pleurs, il y avait des fois la ruine, il y avait des fois le désespoir, le deuil. J'aimerais t'annoncer quelque chose. Il y a des anges qui sont avec moi là maintenant dans ce lieu pour t'enlever le manteau de deuil et pour te mettre un manteau de joie, pour te mettre une nuit d'allégresse là où il y avait la souffrance et pour que tu reçoives maintenant une année de victoire, une temps de victoire et que les restes de ce temps de l'année vont être pour toi un temps de réussite et un temps de victoire explosif. Amen. 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 Donc, toi, il y a une chose qui est pour toi. J'aimerais te prophétiser ce matin un temps de changement dans ta vie, dans ton service pour Dieu, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends pour Dieu. J'aimerais te déclarer ce matin un temps de changement, un temps de victoire, un temps d'évolution. Là où le temps a voulu t'arrêter, qu'il soit arrêté lui-même maintenant. Amen. 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 La dimension de la foi, c'est quelque chose qui est explosif. La foi, nous ne pouvons pas la comprendre. Nous ne pouvons pas la contrôler. Quelqu'un qui est armé de la foi, jamais t'arrivera à l'arrêter. Parce qu'il peut être semblable à un fou de les hommes. Mais la foi commence à exploser en toi. La foi commence à grandir en toi. La foi commence à te faire faire des choses que le monde ne comprend pas. Mais la foi permet dans le temps de la victoire. Amen. L'incrédulité n'a pas de place pour la foi. Quand tu sens que tu ne crois plus, quand tu sens que le diable vient, Dieu lui s'attend de là. Je crois, je déclare maintenant que je crois et à cause de ma foi, je verrai des grandes choses. Amen. Alors que quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé le ministère, vous savez, il y a des temps où vous voyez la gloire de Dieu et vous n'avez pas besoin de foi. Les gens venaient, je posais les mains, il y avait des guérisons, des délivrances, des miracles, sans avoir le moindre foi. Même moi, j'étais étonné. Regardez ma main après, je dis, waouh, c'est quoi? Et un jour, je suis comme ça en prière. Les gens voyaient seulement la grâce, en 2006. Et quand je suis comme ça en prière, je priais, mais j'étais rempli à l'intérieur de moi de peur. J'étais rempli à l'intérieur de moi de doute. J'étais rempli à l'intérieur de moi de toutes sortes de choses. Comme vous avez. Alors on vous motive, on pousse votre foi. Mais quand vous êtes seul, dans votre temps de prière, dans votre chambre, là vous pouvez commencer à prier, là ça devient difficile. Alors on appelle un frère, on prie avec un frère, on essaie de s'encourager à travers les vidéos, à travers les prédications, mais là on reste toujours bloqué. Et là j'étais là en train de prier, et là c'était un peu difficile. Et je priais, et ça marchait, et j'arrive pas. Et je prends ma Bible, et j'arrive pas. Et j'essaie de chanter, et j'arrive pas. Et le temps passe. Alors, vous savez, des fois, on essaie de se motiver. Ben, c'est bon, on a quand même fait une heure. Hein. On a fait 15 minutes de prière. On a fait 15 minutes de lecture de Bible. On essaie de se motiver. Mais on sait quelque part à l'intérieur de nous qu'il y a un vide, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi. Et là, je suis là devant Dieu. Et je suis face à mes doutes, face à mon incertitude, face à tous mes raisonnements. Et là, Dieu me dit, il faut que tu crois, il faut que tu aies la foi. Je dis, ok, Seigneur, mais comment? Je dis, je prêche ça aux gens, je vois ta gloire. Et pourtant, même moi-même qui suis un prédicateur, je suis là bloqué par ça. Alors il me dit, ouvre ta Bible, un livre de Hébreux 11. Et j'ouvre ma Bible, un livre de Hébreux 11. Et il me dit, lis. Ah, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il me dit, lis un peu plus bas. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai dit, ok, il me dit, relis. Il me dit, maintenant tu as compris. Je suis un rémunérateur et un exauceur de ceux qui me cherchent. Je dis, ok. Il me dit, maintenant, tu vas simplement déclarer ça pour que cette dimension d'incrédulité qui est en toi va être brisée. Alors, il y avait mon petit salon. Et je commençais à marcher. Je dis, ah là, j'ai dit, Seigneur, je m'approche de toi avec foi, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ah, sans la foi, il était impossible de plaire à Dieu. Seigneur, je veux te plaire. Je déclare que tu es le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Et je commençais à déclarer ça pendant plus d'une heure. Et là, j'ai déclaré ça. Au début, je me dis, ah, purée, si les gens vont me voir, ils vont me dire vraiment, celui-là, il a des drôles de prières. Seigneur, sans la foi, il est impossible de te plaire. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je répète ça. Je sens que quelque chose est en train de se briser dans mon esprit. Je sens que quelque chose est en train d'arriver sur un point d'explosion. Pendant 30 à 40 minutes, je répète. Tout d'un coup, quelque chose se brise en moi. Et tout d'un coup, Seigneur, je crois, je sais que tu existes, que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je n'ai plus besoin
J'ai fait pendant pratiquement plus d'un an, j'ai prêché, j'ai enseigné la foi en long, en large, en travers. Et jusqu'à aujourd'hui, la foi ne m'a plus jamais quitté. Amen. Et je sais que je ne douterai plus parce que j'ai compris qui est le Dieu de gloire qui se cache dans le ciel. Amen. 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 N'ayez pas peur si vous êtes des fois arrêté par l'incrédulité. Ça arrive à tout le monde. Même le plus grand des prédicateurs, si vous dites qu'il n'a jamais douté, c'est le plus grand des menteurs. Amen. Toute personne. Moi, je vous le dis, les gens ne savaient pas au début. Je prêche, je dis, ah, vous avez une grande foi. Amen. Je répondais même pas des fois. Ils disaient, mais ils disent ça. Pourquoi ils me disent ça, moi? Ils disent, ouais, ma grande foi. Moi, j'en ai une d'autres. Et ils me disent, ah, t'as une grande foi. Amen. Et puis j'avais un petit peu peur, alors je redoublais, je criais encore plus fort. Ils ont dit, ah là, waouh, tu m'as l'air de moi, il n'y a pas d'assurance. Amen. Amen. Je suis rentré dans le ministère au début, comme ça en 2006, sans assurance. Chaque fois que je dois prêcher, je tremble avant. Chaque fois que je dois faire quelque chose, je commence à trembler. Je regardais les autres grands prédicateurs, je dis, waouh. Je dis, comment ils font eux? Dis-moi, c'est catastrophique. Mais le jour où j'ai découvert la foi, une explosion est venue en moi. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Je peux être dans la rue avec des non-chrétiens. Je peux me tenir devant n'importe quelle personne avec n'importe quelle religion. Cette assurance-là, rien ni personne ne peut m'arrêter. Parce que je sais en qui je crois. Amen. 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 J'ai hâte de communiquer cela ce matin. Que tu puisses entrer dans cette expectative d'explosion. Amen. 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 Dans cette terre de France, dans cette nation, j'aimerais déclarer qu'il y a une explosion de foi qui va descendre de partout. Parce que les croyants ne seront plus les croyants de hier. Les croyants ne seront plus comme ceux qui nous ont précédés. Ils vont être immergés, remplis de cette nouvelle dimension, de cette nouvelle propagande de réveil, avec une gloire explosive, avec une puissance explosive. Parce que la foi, ça va être partie du mal. Amen. Les 4 mois qui te restent, ce sont les 4 mois de défi. Amen. 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 Septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois dans lesquels tu vas défier toutes les choses. Amen. Amen. Je te donne un conseil. Quand tu rentres chez toi, tu prends un papier, tu prends un stylo, tu notes tous tes échecs de cette année, tu notes tous tes problèmes de cette année, tu notes tout ce qui n'allait pas, et tu dis, Seigneur, dans 4 mois, tout ce qui m'arrivait va être changé. Amen. Amen. Sans la foi. Vous êtes dans le monde spirituel est un monde de défis. Amen. Amen. Quand nous sommes là sur la terre, quand nous sommes des personnes qui sont mortelles sur la terre, qui allons mourir, qui ne connaissons pas Dieu, la Bible nous dit que Dieu a déclaré quelque chose de puissant pour les hommes. Il leur a donné ce qu'on appelle la grâce du salut. Pour que chaque personne qui accepte ce que Jésus a fait sur la croix puisse parvenir au salut. Mais j'aimerais vous dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas de grâce. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il y aurait eu la grâce dans le monde spirituel, Satan et ses démons seraient tous convertis. Mais ils peuvent venir même dans les églises, entendre le message de l'évangile. Bien qu'ils sont spirituels et que nous entrons dans une dimension spirituelle, ils ne peuvent pas percevoir cette dimension de grâce. Parce que dans la dimension de l'esprit, c'est la dimension dans laquelle de la récompense. La Bible nous dit que quand tu vas mourir, ce n'est pas la grâce qui va t'accompagner, mais ce sont toutes les œuvres que tu as accomplies sur la terre qui vont t'accompagner. Est-ce que vous lisez? La grâce est là pour te permettre d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour toi. Amen. Amen. Et Dieu te demandera des comptes sur toutes les œuvres que lui a préparées et que tu n'es pas rentré. Est-ce que vous lisez? C'est ça qui est important. Des fois, on se dit, ah, maintenant, Dieu, il saura déjà, Dieu, il saura pas. Non, tu as reçu la grâce. La Bible nous dit que le royaume des cieux ne va pas te tomber sur la tête. Ça, c'est les Gaulois qui racontent ça. Mais la Bible nous dit que le royaume des ciels est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Le jour où la grâce de Dieu est descendue sur toi, mon frère, ma soeur, tu dois user de violence. Tu dois commencer à te réveiller. Tu dois commencer à remettre ta voix pour faire descendre du ciel tout ce qui était réservé pour toi. Amen. Amen. Et à cause de cela, tu vas voir que tout ce que Dieu a déclaré sur toi va commencer à s'accomplir. Amen. Et tu vas dire, Seigneur, non. Dans le monde spirituel, je sais qu'il y a un monde de mérite. Parce que je suis déterminé. Il y a le mérite qui va me suivre. Est-ce que vous saisissez?
C'est pour cela que même si vous voyez dans le monde occulte, les gens qui sont dans le monde occulte vont faire toutes sortes de choses pour arriver à leur élévation. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans le monde spirituel. Donc pour eux, dans le monde spirituel, ils sont même prêts à tuer pour arriver dans l'endroit où ils veulent aller. Mais la Bible nous dit que nous, on peut rentrer dans ce monde sans même ni acheter, ni payer. La Bible nous dit, venez vous qui avez soif, boire. Venez vous qui avez faim, venez sans payer, venez comme vous êtes. Pourquoi? Parce qu'à cause de la grâce que Dieu nous a fait, on peut rentrer dans le monde spirituel. À cause de la détermination que nous persévérons dans la présence de Dieu, on peut tout saisir, tout ce qui nous appartient, on peut le prendre dans le monde spirituel sans verser une goutte de sang, sans faire aucun sacrifice comme les occultes, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle du monde spirituel. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne voulons pas simplement dire, nous venons à l'église, sentir quelques frissons, avoir les poils qui s'hérissent, un peu pleurer, car on a vécu un bon but, sans rien comprendre du monde qui nous entoure. Parce que le monde qui vous entoure est un monde spirituel dans lequel la Bible dit qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui est prêt à nous détruire, qui est prêt à nous ruiner, qui est prêt à venir même nous tuer. Quand on parle du péché, souvent les gens disent « Ah non, mais le péché, faut aller doucement. » J'aimerais vous dire que le péché tue. Est-ce que vous comprenez? Le péché tue. Alors vous vivez peut-être des bons moments pendant le temps de votre péché. Mais demain, votre âme est détruite. La Bible nous dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Je vous donne un exemple. Et je donne souvent cet exemple. Et ensuite, après, nous n'allons pas continuer plus longtemps parce que nous devons aller au lac. Nous aurons encore un petit moment de message là-bas. Imaginez un homme qui vole. Et cet homme aime voler. Cet homme aime prendre l'argent, voler, faire tout ce qu'il veut. Et un jour dans sa vie, il ne connaît pas Dieu. Il dit, je veux changer. Et je veux devenir une personne qui ne vole plus. Je veux devenir une personne qui est honnête. Sans connaître Dieu. Alors il va y arriver. Beaucoup de gens qui étaient malhonnêtes commencent à devenir honnêtes. Mais le problème qui va se passer, c'est que quand il va sortir de sa maison, voici que cet homme va fermer sa maison à triple verrou, à quadruple verrou. Il va rentrer dans sa voiture, il va fermer 10 fois la voiture pour voir si elle est bien fermée. Il va aller quelque part, il va toujours regarder s'il y a son portefeuille qui est toujours là. Et si tu vas parler à cet homme, tu dis, mais écoutez monsieur, vous faites des gestes et vous les répétez, pourquoi vous faites ça? Il dit, écoute, avant j'étais un voleur. Je sais comment le voleur rentrait. Je sais comment le voleur cassait une porte. Je sais comment le voleur volait une voiture. Je sais comment les pickpockets arrachaient les portefeuilles. Je connais tout ça. Mais maintenant que je ne suis plus, je fais attention à moi. Parce que je sais que derrière moi, il peut y avoir les mêmes voleurs que j'étais. Alors on va peut-être dire, ouais, c'est normal. Mais je vais vous dire que cet homme a détruit quelque chose dans son âme qu'on appelle la sécurité. Il croit que partout où il va aller, il va se faire voler, il va se faire détruire. Parce que le péché a laissé une marque qui est en train de le ronger et qui est en train de le détruire. Je vous ai parlé seulement du vol, mais je n'ai pas parlé du mensonge, je n'ai pas parlé de l'adultère, je n'ai pas parlé de toutes les autres choses. Combien d'hommes et de femmes qui avaient une vie un petit peu florianx à droite, à gauche, avant même de connaître Dieu, ou avant même de connaître leur conjoint, le jour où ils sont mariés, ils se disent, moi avant je prouvais à toutes les filles qui étaient à droite et à gauche, dans ton couple tu ne trouves jamais de sécurité. À cause de cela, quelque chose a été détruit à l'intérieur de toi. L'homme voyant ces choses-là comme banales, mais toutes ces choses qui sont en train de détruire votre âme, c'est ça malheureusement qui amène beaucoup de maladies. C'est ça malheureusement qui rend l'âme de l'homme malade. Amen. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie. Et la Bible nous dit que quand tu viens au Jésus, Jésus veut renouveler tout ça. Jésus veut transformer tout ça. Jésus veut te donner la paix là où il n'y a plus de paix. Jésus veut te faire tomber des chaînes qui étaient liées au péché. Alors quel est le chemin pour le suivre? C'est simplement de dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, de venir confesser les péchés. Et alors tu vas voir que ta délivrance ne va jamais tomber demain. Et ce qui détruisait ton âme ne viendra plus. Amen. 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 Avant que nous puissions aller plus loin dans la prière, j'aimerais juste peut-être inviter notre sœur Doris pour nous donner un petit témoignage de ce qu'elle a pu expérimenter bien, Doris. Et ensuite, nous allons prier, et ensuite, nous allons aller ensemble au temps de baptême. Bien, sœur Doris. Merci.
Les médecins n'arrivent pas à expliquer cette douleur. Ils disaient c'est de l'arthrose, il faut opérer. Et je boitais et j'étais très très mal. Et Pasteur Wally, il a prié pour moi, pour une présence démoniaque supposée. Et j'ai été délivrée de tout mal de mon pied. Je n'ose même pas marcher correctement de peur que le mal revienne. Je crois par la foi. Chez moi, mais par contre, je vais prendre un gîte pour vous. J'ai un ami qui a des gîtes et on va prendre un gîte pour vous. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et en fait, cet ami qui amène des gîtes n'est pas chrétien. Il n'était pas un homme qui avait l'habitude de venir à l'église. C'était un ami à lui. Et cet homme a dit non, je ne veux pas leur faire payer, je leur fais gratuit. Il a dit amène-les quand même, mais pour eux, ils ne payent pas, ils sont hébergés gratuitement. Et nous avons fait le samedi soir la réunion. Non, le vendredi soir à la réunion, c'est un vendredi soir. Nous avons fait le vendredi soir à la réunion, et le samedi, voici qu'on s'est levé, vraiment, c'était un super gîte, un appartement avec deux chambres, tout vraiment bien. Et quand on a fini, j'ai dit, j'ai pris mon fils Joshua, et j'ai dit, écoute, on va quand même aller voir le monsieur, on va le remercier, parce que c'est gentil, il ne nous connaît pas, ni d'un, ni d'un, et il nous a fait un gîte gratuit. Et il y avait d'abord son épouse qui était là. Je vous ai dit, venez, mais il y a mon mari qui est là. Et j'arrive dans la cuisine. Je vois un homme sur une chaise roulante, alité. Et je parle avec lui et je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez? Alors il me dit, oui, voilà, il va lui faire une prothèse de cheville. Et je ne peux plus marcher et sa cheville, tout sointait. Il a enlevé sa chaussette. Je lui ai enlevé sa chaussette, je vais voir. Il a enlevé sa chaussette, il avait une cheville, mais comme un ballon, hein. Avec tous les fils, tout qui sointait, tout qui était vraiment terrible. Et j'ai parlé un peu avec lui et je lui ai dit, est-ce que vous acceptez qu'on prie pour vous? Et il dit, allez-y, on prie. Et j'ai prié avec lui. Joshua aussi a vu bien le pied, il a regardé le pied, il a vu la grosse pied. Il ne pouvait même pas poser le pied par terre, il ne pouvait plus marcher. On a prié pour lui, une prière de foi. Le soir même, nous on est partis, ensuite on l'a salué, on est partis. Le soir même, toute sa jambe avait totalement dégonflé. Et le frère me disait, maintenant cet homme il marche. Il est parti en vacances, il marche. Et il a dit, je veux revoir ce jeune. Quelque chose s'est passé. Dieu l'a totalement guéri. Dieu l'a totalement restauré. Amen. Je reviens dans la piscine, nous allons au Lidl. Et là, je vois un homme qui boite comme ça. Dans le Lidl, il sort. Je lui parle avec lui, c'est un Allemand. Alors, il parlait allemand, moi je parlais français, donc on ne peut pas trop aider. Je lui dis, qu'est-ce que t'as au pied? Il me dit, il essaie de parler avec ses mains, c'est un Sri Lankais. Alors, il parlait un peu anglais, un peu allemand, un peu sa langue. Il essaie de montrer sa jambe. J'ai dit, moi, je vais prier pour vous. J'ai dit, pray God, Jesus Christ. Je parle le peu d'anglais que je sais dire. J'ai dit, pour la guérison. Il me dit, hop, ok. Et lui, il s'assied, il enlève sa chaussure, je ne sais pas s'il avait une chaussette. Il enlève tout. Et je prie pour lui. Il n'a pas compris grand-chose de la prière. Mais quand on a fini la prière, il marchait normal. Et il est reparti normal comme il était. Agis encore aujourd'hui. Le témoignage est là pour booster ta foi et pour propulser ta foi. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es venu dans ce lieu avec des problèmes, avec des difficultés, tu sortiras de ce lieu libre. Amen. Amen. Amen.
Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Amen. C'est un temps de changement, mon frère, ma soeur. Un temps de gloire. Un temps de visitation. Cher Saint-Esprit, je te bénis pour ce temps, pour ce lieu. Je te demande maintenant ta grâce. Celui qui est venu découragé, désespéré, fatigué, dégoûté des fois de la vie. Des fois, la vie vous a dégoûté. Vos amis vous ont délaissé. Certaines personnes ne vous ont pas compris. Et vous êtes là à vous dire, mais comment est-ce que je vais continuer? Des fois, certains sont les membres de votre famille. Des fois, ce sont vos proches. La vie n'est pas si facile que nous croyons. Des fois, nous croyons que la vie est facile. Mais quand nous commençons à rentrer sur le cycle de la vie, nous voyons très bien que la vie n'est pas si facile que ça. Certains ont été moqués. Certains, des fois, se sentent incapables. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin quelque chose. Levez simplement vos mains. Levez simplement vos mains. La puissance de l'onction est là. La puissance de l'onction est là. L'onction est là. L'onction de restauration, l'onction de transformation, l'onction de délivrance, l'onction de puissance. L'onction de multiplication, l'onction de restauration, elle coule, la présence de Dieu est là. Retiens-la, retiens-la. Et là, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir sa présence. Que quand tu parles de ce que tu amènes sa présence avec lui. La Bible me dit que, alors qu'il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait des hommes qu'on appelait les Lévites qui devaient porter cette arche de l'Alliance. Et chaque fois que le peuple devait aller conquérir un endroit où le peuple devait rentrer dans une nouvelle dimension, l'arche les précédait. Les Lévites ne pouvaient pas partir sans porter l'arche. Dieu a permis qu'aujourd'hui tu puisses être un Lévite pour amener cette arche avec toi. La Bible nous dit que l'arche de l'Alliance amenait la victoire. L'arche de l'Alliance les faisait prospérer même dans le désert, alors qu'ils n'avaient rien. Les cailles étaient envoyées dans le désert, alors qu'ils n'avaient rien. La manne était tombée, alors qu'ils ne savaient ni où aller. Dieu commençait à faire des merveilles. Et la Bible nous dit que la colonne de nuée les amenait le jour, et la flamme de feu les conduisait dans la nuit. Même si tu es dans une nuit noire, et tu ne vois rien, à cause de l'arche, à cause de sa présence, il va te conduire. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche encore. Touche encore. Touche encore. Il envoie sa parole et il guérit. Il envoie sa parole et il restaure. Il envoie sa parole et il transporte. Donne-moi la main, frère. Le Seigneur te dit la parole suivante. Tu es un homme qui sert, mais il y a beaucoup de peur en toi. Tu te trouves souvent comme Gédéon. Et souvent cette histoire t'a parlé. Mais le Seigneur te dit, va avec la force que je te donne. Va avec la force que je te donne. Va avec la force que je te donne. C'est la parole que tu dois saisir aujourd'hui. La parole que tu dois saisir pour toi. Et tu vas voir que Dieu va commencer à faire une explosion dans ta vie. Tu ne vas plus te reconnaître. Les gens qui te connaissaient ne vont plus te reconnaître. Parce que souvent tu regardais des autres plus élevés que toi. Et souvent toi-même tu avais du mal à croire en toi. Mais le Seigneur te dit, je crois en toi. Amen. Amen. Moi, c'est un sincère. Amen. Amen. Merci. Sois béni, Saint-Esprit. Merci. Merci, je touche, frère. Merci, je le touche. Merci, Seigneur, que tu l'envoies. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour l'onction qui va te transformer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un message. La tristesse va s'arrêter aujourd'hui. Amen. Là, la tristesse s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de pleurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Reçois la guérison. Merci. Vois un ange à côté de toi. Amen. Qui t'enlève maintenant cette tristesse qui était là. Bien souvent, tu n'arrivais pas à comprendre certaines choses. Merci.
Parce que même si tu te motivais, ce Christus venait, continuait. Mais les honneurs te disent, c'est un temps maintenant de restauration. Un temps de gloire. François, lève juste tes mains. Lève juste tes mains. Regarde, maintenant, il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur. Il y a une guérison. Une restauration. Reçois. Ton cœur qui s'ouvre maintenant. À cause de la souffrance, ton cœur s'était beaucoup fermé. Son cœur était beaucoup fermé. Et des fois, tu n'arrivais plus à t'ouvrir. Il y avait un manque de confiance, même autour de toi. Mais le Seigneur renouvelle sa main. Renouvelle sa main. Au nom de Jésus. 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 Amen. Voilà, excusez-moi là. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta vie. Seigneur, je te demande ta grâce qui se révèle à elle. Il y a l'amour de Dieu qui est pour toi. Tu vois le mot amour, tu regardes ce mot et tu ne veux pas toujours dire quelque chose pour toi. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu est connu. Et Dieu t'aime. Il n'a pas pour sa main. Il veut faire. Il veut restaurer. Il veut te transformer. Et tu vas voir que si tu simplement tu acceptes ça, que Dieu te donne, tu vas commencer à être comme une fleur qui explose. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu acceptes même des parties? Est-ce que tu veux faire? Ferme les yeux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour la paix que tu as. Je veux te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. L'ennemi est venu pour essayer de te déstabiliser. Mais le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Recevez. 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 Dans le nom de Jésus. Recevez. Recevez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne ma main à ton épouse comme ça. Donne ma main à ton épouse. Seigneur, je bénis maintenant ce couple. Et je te demande de les diriger, de les orienter. Que Seigneur, c'est toi qui leur donne une vision. Que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui les dirige. Oh là là, il y a des moments où vous ne savez pas toujours comment, où aller, comment tout faire. Mais le Seigneur lui-même commencera à vous diriger. Le Seigneur lui-même commencera à ouvrir les portes. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Avec la direction. La Bible nous dit que faute de vision, mon peuple périt. Maintenant, c'est un temps où vous allez recevoir votre vision propre. Un temps de vision propre. Pas simplement celle des autres, mais un temps où Dieu vous donne votre propre vision dans le ministère. Votre propre vision dans le ministère. Recevez maintenant un temps nouveau maintenant. Un temps nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Que votre esprit s'ouvre maintenant. Que votre esprit s'ouvre à partir de maintenant. Et que vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues. Que Dieu va vous montrer des choses dans l'esprit que vous n'avez pas encore vues. Des choses là où il vous plage. Je vois ça dans l'esprit. Vous allez voir ces choses. Quand vous allez même dormir, Dieu vous ouvrira l'esprit. Et il va vous montrer les choses. Ce que le Seigneur vous dit, quand ces choses arrivent, écrivez. Prenez un cahier, écrivez. Pour ne pas oublier. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Le temps de victoire.
le temps de victoire pour toi. Merci. Le Seigneur veut effacer les choses. Le Seigneur veut tout effacer. Et le Seigneur te dit, je vais transformer ta vie avec un temps de victoire. Un temps de victoire. Dans le nom de Jésus. 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 Recevez. Recevez. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour la vie. Ne t'inquiète pas. Tu es mieux dans celui que tu étais abattu. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Je vois une main invisible qui est sur toi. Et que je te dis, mon fils, je vais te relever. Je vais te relever. Je vais te relever. Il y a beaucoup de choses des fois qui t'accusent dans ton cœur. Beaucoup de choses qui t'accusent dans ta vie. Mais écoute la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ce que le diable a posé sur toi, que maintenant cela soit brisé dans le nom de Jésus. Et que maintenant, il y a ce manteau de paix qui revient. Dans le nom de Jésus. 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 Nous allons juste encore prier pour le temps des baptêmes. Et ensuite, nous allons tous aller au temps des baptêmes. Il y a encore des personnes qui nous attendent là-bas. Donc on ne va pas trop non plus les faire attendre. Mais vraiment, je sens que le Saint-Esprit veut faire quelque chose encore de nouveau. Quelque chose de grand. Ces quatre mois qui vont encore se suivre. La gloire va continuer à descendre, la gloire va continuer à remplir, l'onction va continuer à se répandre, et nous allons voir une explosion de gloire. Amen. Amen. Une explosion de gloire. Je parle jusqu'au mois de décembre. Ça va être une explosion de gloire. Amen. L'année qui va venir sera différente de toutes les autres années. Amen. L'année qui va venir sera différente de toutes les autres années. Amen. Aussi fait. Amen. Aussi fait. Merci Saint-Esprit pour la vie. Seigneur, merci pour son cœur, merci pour son engagement. Oui. Je te demande, Seigneur mon Dieu, mon roi, de le revêtir d'un manteau de sagesse. Seigneur, de te revêtir d'un manteau de sagesse. Je vois comme un manteau qui est enlevé et un nouveau manteau. Le Seigneur te dit, un nouveau temps, une nouvelle heure. Tu as fait certaines choses pour moi. Mais le Seigneur te dit, j'ai vu la sincérité de ton cœur. Et à cause de la sincérité de ton cœur, je vais commencer à ajouter. Mais le Seigneur te dit, sois simplement patient. N'essaye pas de brûler les étapes par toi-même. Mais commence simplement à rentrer dans un temps de paix, un temps de tranquillité, un temps de calme. Et alors tu verras que je ferai quelque chose de nouveau. Le dit ton Seigneur et ton Dieu, mais ton Dieu te dit, sois simplement patient. Souvent l'impatience t'a fait pousser. Souvent l'impatience t'a fait pousser des ailes. Mais cette fois-ci, essaie de laisser cette impatience de côté. Et tu vas voir que Dieu va faire toutes choses en son temps. Mais avec des choses que tu n'imaginais pas jusqu'à aujourd'hui. Le dit ton Seigneur et ton Dieu. Saint-Esprit, merci. Merci de glorifier Jésus dans ce temps, dans ce lieu. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui vont se faire baptiser. Amen. Bénis aussi tous les enfants qui sont là. Que les enfants soient bénis. Venez tous les enfants devant. Juste si vous êtes encore devant, venez tous les enfants. Venez tous les enfants. Amen. Et Seigneur, tu bénis aussi toute cette nouvelle génération qui se lève. Que ta bénédiction descende sur tous ces enfants, Seigneur. Que ta bénédiction commence à descendre sur tous les enfants. Amen. Seigneur, je te demande maintenant de les garder de tout mal. Et que Seigneur, la foi leur soit communiquée dès leur jeune âge. Commence à déclarer que la foi soit communiquée sur les enfants dès leur jeune âge. Et on n'a pas besoin d'attendre 5 ans, 20 ans qu'ils sont grands. Mais que dès leur jeune âge, la foi leur soit communiquée, que l'onction qui est dans ce lieu, vous savez, levez les mains de mes enfants, fermez les yeux, vous allez voir quelque chose, fermez les yeux, levez les mains, et dites avec moi, cher Saint-Esprit, juste les enfants, cher Saint-Esprit, reste avec moi, remplis-moi, visite-moi, nous avons besoin de toi. Touche-nous, sois d'accord
rester comme ça, les enfants. Le Saint-Esprit et cette prière a un écho qui resplendit maintenant dans la salle. Et que ton onction commence à se révéler. Que ton onction commence à remplir. Je te prie maintenant pour ces temps. Et je te remercie pour ta grâce. Merci pour la vie de tous mes frères et de mes sœurs. Amen. Merci pour tous ceux encore qui vont franchir ce pas aujourd'hui. Nous les bénissons en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et saluez tous ceux qui sont peut-être là pour la première fois. Levez-vous simplement à votre place pour qu'on puisse connaître au moins votre nom. Acclamez pour le Seigneur pour tous ceux qui sont venus pour la première fois. Pièce par tarot. Alors, si je te laisse te présenter. Pierre, c'est pas ta épouse, ses enfants, Gabriel, Isaac, Jean, Sarah, les collèges pastorales, Désir, David, Hallelujah. Amen. Comment vous faites ça? Soyez vous Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans, niveau, dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu par vivre où tu cherches la présence de Dieu.